pas l'hommage a été fait. Maintenant, je veux présenter le club de la matériothèque. C'est l'idée principale de Ons Sharad qui est venue vers moi. C'est la seule qui s'était prononcée. Elle est venue me dire en quoi je peux aider, j'aimerais bien y participer, je veux être un membre actif pour la matériothèque. Je lui ai dit alors, ben voilà, on va travailler ensemble, on va créer un club avec des membres vraiment très actifs pour la gestion et pour la continuité de comment garnir cette matériothèque. Donc elles ont fait une équipe de 3. Elles sont là, elles sont en deuxième année. L'année prochaine, au bout du deuxième semestre, donc elles seront en troisième année, elles seront beaucoup plus, elles auront un bagage par rapport aux matériaux vraiment consistant. Au bout du deuxième semestre, elles vont encadrer 2 ou 3 autres étudiants de l'ISBAT, de l'architecture d'intérieur, enfin même aussi, ça peut être aussi du design graphique ou design produit, qui vont les encadrer pour prendre la relève. Et chaque année, ça va se passer de la sorte pour qu'il y ait de l'innovation, du nouveau, et pour que ça ne s'arrête pas. La bibliothèque soit toujours à la page. Je les remercie, toutes les 3. On ne les a pas présentées. C'est Ons Sharad, Salma Bouhlak et Neila Karabeshi. Voilà.